va se le faire, sur mes morts, on va se le faire. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Salut à tous, c'est Plaza Forta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle caisse à tester, je vous fais pas attendre plus que ça, on passe à la première partie, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Mais attends, avant de continuer, mettez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, je te présente la Lamborghini Aventador LP754SV, rien que ça, sortie en 2016. Donc commençons par l'esthétique, c'est une bonne petite Lambo, des formes bien sympathiques, élégantes et ça c'est beau. Mais la particularité de cette caisse, c'est que tu peux la transformer en ça. Et je sais que ça en intéressera certains. Au niveau du prix, elle coûte entre 3 et 4 millions de crédits, c'est pas encore trop cher pour ce que c'est, ça va, c'est que 3 millions de crédits, ça va. Côté modification, le moteur est d'origine, de toute façon il n'y en a pas d'autre. La transmission est en AWD et pour l'aspiration, je lui ai installé le biturbo et tout ça, ça nous donne une grosse frappe classée X. Et on se calme, on n'a pas le temps pour ces conneries. La présentation de la caisse est terminée, on passe à la partie 2. Bon, après tout ce bordel, on passe aux statistiques. En vitesse de pointe, on tape les 437,7 km/h et je crois bien que c'est la meilleure des Lambo. Il me semble que même la Veneno ne les atteint pas, mais je suis pas sûr. Au niveau de l'accélération, on atteint les 97 km/h en 2,4 secondes et les 161 km/h en 4,3 secondes. Forcément, c'est une Lambo, il y a de la puissance sur le capot. On passe à la partie 3. Donc qui dit partie 3 dit Fortune Island, comme d'hab on va tester ce bolide. Donc comme je le disais, on va tester ce bolide. Oh, y'en a assez là, non? C'est qui le connard qui gère le montage déjà? Ah oui, c'est moi. Bon, rêve de connerie, on va tester ce bolide dans les virages de Fortune Island et voir ce que ça donne avant de passer à la conclusion. Donc c'est une caisse sympathique à piloter, je la trouve assez légère et c'est pas mal. Par contre, faut pas accélérer quand même malade dans les virages à cause des sous et survirages justement que j'ai pas encore réglé parce que flemme. Mais sinon, ouais, c'est une bonne caisse. Après, c'est sûr que c'est pas ce genre de caisse qui est faite pour ce genre de route, mais je trouve ça plutôt important de tester, t'as capté? Allez, on est parti pour la conclusion. Maintenant, je vais te dire tout ce que je pense de cette voiture par rapport au test, donc c'est mon avis personnel là-dessus.
pour la vitesse, comme je l'ai dit, on est dans les 437 km/h et je crois que c'est à peu près la limite si on compte pas la Ferrari 599 XX. Ce qui change par contre, c'est l'accélération. De 0 à 97 en 2,4 secondes, c'est pas mal. Après, il y a des voitures qui font mieux, forcément, il y a toujours mieux, mais on se plaint pas, c'est déjà violent. Niveau maniabilité, je dirais qu'elle est bien, elle est pas trop lourde et elle se dirige tranquillement. Donc ouais, après pour 3-4 millions, pour moi ça vaut son prix. Si tu kiffes les Lamborghini, que t'aimes la vitesse ou quoi, ouais, prends-la si c'est pas déjà fait. Et si c'est pas le cas, ben essaye d'économiser pour te l'acheter. Donc maintenant, je te laisse mes réglages que tu peux télécharger. Donc t'as la version avec gyrophare et t'as la version sans, mais au niveau des statistiques, les deux sont pareils. Sinon bref, c'est donc la fin de cette vidéo. Enfin, il y a le bonus juste après qui devrait peut-être te plaire, tu diras ça en commentaire. Comme d'hab, lâche un like, abonne-toi et partage, ça fait plaisir. Et viens t'abonner à mon compte Instagram, je te laisse le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Plata Forza pour vous servir. Peace. Parti. 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 Salut les moutons! Au revoir les moutons! À toutes les unités, je suis actuellement à la poursuite de l'individu. C'est ce que j'appelle une situation sémerdique. Je suis actuellement dans l'individu.